Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, ben c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, tous abonnés, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Le 12 août dernier, une star a rendu l'âme ici, suite à un accident dangereux. Et le lieu de cet accident est devenu un endroit où les gens viennent pour faire quand même un pèlerinage. Vous voyez, les gens viennent juste pour faire un truc. Les gens rendent un truc en mémoire à ces stars. Donc chacun passe et il dépose une bougie ou une fleur. Déjà pour dire, ah maman, j'étais là, tu nous plaisais, maintenant tu es parti, ça nous touche. Et cet endroit-là était gradé par des enfants. Bon, en fait, par des jeunes gens. Et à un moment donné, c'est-à-dire, là maintenant, je dois vous parler. Ce lieu-là, cet endroit-là, a disparu. Quelqu'un a dit que c'était saccagé. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que ce sont des histoires incroyables, mes frères? Nous allons tout découvrir ici. Est-ce que ce sont des ennemis encore à ces stars qui l'ont fait? Franchement, difficile à dire. Mais nous pouvons avoir les yeux pour voir des choses et entendre certains trucs. Soyez prêts. Alors, studio, vous devez partager absolument cette vidéo. Bien, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Parce que ce que nous allons voir, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez ici, voici la star en question. Elle a disparu depuis le 12 dernier. Et voici comment était le lieu en question. Celui-là a reçu beaucoup de célébrités, des gens qui sont venus pour déposer des fleurs, pour remercier la star, pour lui dire vraiment merci de nous avoir accordé beaucoup de choses. Maintenant, tu es parti, ça nous fait mal, mais nous pouvons te déposer, laisser une fleur pareille. Et on supposait que depuis l'autre monde, cette star pouvait juste voir ça. Et ça plaisait quand même à certains fans qui venaient eux aussi pour pleurer. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ça. Celui-là s'est transformé à un endroit pareil. Est-ce que vous voyez? Vous allez même voir, regardez ça. Voyez-vous quelque chose? Mais bien sûr que oui. Comme vous voyez, on voit pratiquement rien. Ça m'étonne. Un lieu qui était bien arrangé, regardez comment c'est devenu. Ça m'étonne, regardez très bien ça. Comme si il y a un catépina qui était passé par là. Maintenant, un fan a décidé de filmer ça et de montrer à tout le monde. Il a même quelque chose à nous dire. Écoutons-le. Voici le travail de rageux. Voici juste le lieu où le gars est avec son accident. Voici le travail qui est là. C'est-à-dire l'homme moi-même, franchement, regardez comment ils ont saccagé ça même. Ils ont saccagé, franchement. Voici les fleurs là-là. Ils ont saccagé le lieu de l'accident. Moi-même, je crois bien que ma mère tremble même. Il ne veut pas tenir mon téléphone. Regardez comment, voici les fleurs là. Voici les fleurs. Voici où même la photo était belle. Regardez l'endroit. C'est ça la côte, tu vois qu'elle est là. Voilà ça. J'espère que vous qui avez enlevé là, j'espère que vous qui avez enlevé la photo du Teshi, vous avez saccagé là. J'espère que vous êtes en fait soulagé. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu ne fait rien voir ça. Tout ce qu'on fait, ça se perd sur terre. Vous avez entendu ça? Cette personne est tellement dépassée par cet événement que elle préfère vraiment laisser pour elle à Dieu pour dire c'est vrai, cette personne est partie, vous l'avez fait ça. Ah, mon préfère, tout pareil, ça nous touche vraiment. Dieu va vous régler vos comptes. Ah, mais est-ce que c'est peut-être une autre personne qui est derrière tout ça? Parce que apparemment, on nous dit que sur ce lieu-là, il y avait quand même des bagarres qui avaient éclaté. Selon ce que cette personne, que nous allons écouter, mais va nous dire. Écoutons ça. À prendre une décision radicale. Il se trouve que les petits qui se sont désignés gardiens du site de l'accident de DJ Arafat se bagarrent entre eux
parfois même à la machette pour le contrôle du site. Quoi? Sérieux? Selon l'information que vous venez d'entendre, ça, on nous dit que on dit que souvent les petits qui gardaient cet endroit-là se bagarraient. Ils se bagarraient juste pour garder cet endroit-là. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on ne sait plus leur penser plus. Ces incidents ont donc amené la bien généreuse personne qui a confectionné cette bâche à la retirer du site pour éviter encore d'autres débordements. Donc, on nous dit que c'est la personne même qui a confectionné tous ces éléments que nous venons de voir là. C'est cette personne-là qui a enlevé tous ces éléments-là juste pour ne plus qu'il y ait des bagarres. Juste pour ne plus que les petits là, arrivent là pour faire tout et n'importe quoi. L'aérodrome, par le biais de son président, a saisi l'affaire afin de trouver la meilleure des solutions et ce, dans les plus brefs délais. Pouvait-on lire dans le communiqué des proches du Yorobo sur sa page posthume officielle? Et on nous dit que les gens même qui sont responsables de veiller sur les affaires de ces stars-là ont juste fait un communiqué pour en parler, pour dire que, voilà, apaiser un peu la population par rapport à ça. Ah! Est-ce que vous en rendez compte? C'est quand même bizarre. Face à de telles informations, il ne faut pas tout de suite prendre parti. Il faut d'abord écouter l'autre partie, savoir réellement ce qui s'est passé. Sans doute, il y a plein de personnes qui ignorent ça et qui sont même en colère même maintenant. Partagez cette vidéo. Quand ces personnes vont voir ça, peut-être elles iront même en profondeur pour savoir ce qui se passe. Peut-être qu'encore, nous ferons une autre vidéo sur ce type pour essayer de vous expliquer certaines choses. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et que Dieu prépare, que Dieu bénisse votre journée. Nous venons de commencer le travail et d'autres vidéos arrivent. Soyez prêts. Nous avons notre chaîne en cliquant sur ce bon. Vous pouvez juste aller voir notre chaîne, Yankstv, Yassoubon 2 et Yassoubon 3. C'est parti. Waouh!